tout, vous saurez tout sur la Dani. Bon, Dani qui est l'héroïne de ce jeu, Far Cry 6. Bon, effectivement, si vous n'avez pas la ref, c'est tombé à plat certainement. Bonsoir, bonjour amigos, hola amigos, que tal? Muy bien. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une septième session, et oui, septième déjà, session sur Far Cry 6, le tout dernier épisode de la licence emblématique de Ubisoft, qui vient de sortir, enfin est sorti il y a une semaine tout juste. Et donc voilà, on va se retrouver donc pour, après une quinzaine d'heures de jeu, on va se retrouver pour la suite de ce Far Cry 6, qui est actuellement en cours de test sur Gamatomic, et c'est pour ça justement que on y joue, et que c'est la première fois que je réalise un test pour Gamatomic en vous associant à ce test, plutôt que de jouer offline, sur le jeu. Là, je vous propose de le parcourir ensemble. Et pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que voici les 5 étapes qui consiste à tester un jeu lorsque on est sur Gamatomic. Oui, les 5 étapes. Étape 1, et ben c'est ce qu'on va, on est en train de faire et ce qu'on fait depuis maintenant près de 15 heures, c'est de jouer au jeu pendant plusieurs heures. Et effectivement, lorsque le jeu propose une progression scénarisée et une conclusion, en général, on essaye d'aller jusqu'au bout. Je suis pas sûr qu'on ira jusqu'au bout en live, parce que c'est quand même long, mais peut-être, pourquoi pas. Pour l'instant, j'y prends beaucoup de plaisir, donc j'espère que vous aussi. Donc peut-être qu'on ira jusqu'au bout du scénario en cours de jeu. Donc ça, c'est l'étape 1, on joue pendant des heures, voilà, on s'éclate. L'étape 2 qui est quasiment terminée maintenant, c'est de prendre des captures d'écran pour pouvoir illustrer l'article final qui sera publié sans doute la semaine prochaine sur Gamatomic. Donc cette étape 2, je dois vous dire qu'elle est déjà plus ou moins déjà finie, parce que on va pas non plus faire 15 millions de screenshots. Non, mais par contre, n'hésitez pas, si en cours de jeu, vous pensez qu'il y a une situation, qui est un environnement qui vaut d'être capturé, d'être flashé, et ben n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Étape 3, et là je compte sur vous également, c'est l'analyse. Enfin, l'analyse, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on note ensemble ce qui nous plaît et nous déplaît sur ce jeu, des éléments de gameplay qu'on trouve très sympas, d'autres qu'on trouve moins bien, des graphismes, des situations, un scénario qui nous ont plu ou l'inverse. Voilà, c'est important d'échanger ensemble. Ça va me permettre, moi, en tant que rédacteur, de pouvoir ensuite améliorer, en tout cas... rendre plus dense mon avis final sur le jeu, qui sera publié sur Gamatomic bientôt. L'étape 4, c'est un petit peu aller rechercher ailleurs des informations autour du jeu, parce que c'est important quand on teste une œuvre, parce qu'il s'agit d'une œuvre artistique, de savoir comment elle a été réalisée, s'il s'agit d'un épisode, s'il s'agit d'une pièce unique, ou si c'est des suites en fait. Donc là, il s'agit évidemment d'une licence pour le cas de Far Cry, parce que c'est le 6e épisode, même si chaque épisode, vous le savez, n'ont pas vraiment de lien, c'est intéressant de voir comment la licence a pu évoluer avec ce nouvel épisode. On s'intéresse également sur l'étape 4 au développement du jeu, savoir s'il a été simple, s'il a été chaotique, comme ça a pu être le cas pour plein de productions. La dernière que j'ai en date, c'est Dead Island 2, qui a mis du temps avant de sortir et qui sortira finalement assez prochainement, paraît-il. Et enfin aussi, on se renseigne sur le studio. C'est important de savoir qui se cache derrière un jeu, les personnes, les humaines qui se cachent derrière un jeu, notamment ici pour Far Cry 6. On sait que la production a été confiée à 2 studios d'Ubi. Donc le studio de Toronto, Ubisoft Toronto et Ubisoft Montréal, mais on sait aussi que d'autres studios dans le monde ont participé à ce développement, notamment le studio de Shanghai. Et enfin l'étape 5, qui sera plus solitaire, puisque c'est moi qui vais plutôt le faire, c'est la rédaction, effectivement, du test. Voilà pour les étapes du test. Et maintenant, on va repartir sur le jeu, bien sûr, c'est ce que vous attendez, et moi aussi, avec beaucoup d'impatience. Parce que je dois dire qu'effectivement,
pour qu'un jeu me... pour que j'ai envie de stream sur un jeu aussi souvent et aussi longtemps, c'est que forcément, le jeu me plaît. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour l'avis final du test. Alors, on repart sur Far Cry 6 avec... pour sélectionner une sauvegarde, on est à 35% de l'histoire, voyez. Et on a déjà joué 14 heures, voilà, c'est ça. On est parti, donc actuellement on se retrouve sur la Madrugada, c'est une des régions de l'île immense de Yara. Yara, c'est le terrain de jeu de Dany. Dany, c'est l'héroïne du jeu. Vous savez qu'on peut choisir soit un héros, soit une héroïne, donc Dany, c'est un prénom qui n'est pas genré. Et là, moi j'ai choisi au départ de jouer une femme, parce que c'était plus sympa, et que c'est toujours bien de voir une femme sauver le monde. Et là, le monde de Yara en l'occurrence. Alors, le sauver de quoi? Le sauver de qui surtout? Il faut sauver Yara d'un certain Anton Castillo, qui est un dictateur qui a pris le pouvoir sur l'île de Yara d'une façon assez violente. Et si vous regardez les replays qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Game Atomic TV, vous pourrez voir que la première scène d'introduction, elle est costaud, hein. Donc, et on montre bien ce dont est capable le fameux Antoine Castillo. Et donc la mission de Dany, elle va être aidée par beaucoup de monde bien sûr. Sa mission, ça consiste à détrôner cet Antoine Castillo qui essaye en ce moment même de former son fils pour le succéder. Il le forme avec des méthodes assez particulières, ce qui donne lieu à des séquences. Voilà, on est là, on est ici. Et là, on entend quoi? On entend, vous entendez les petites roulettes derrière moi. Enfin, derrière le personnage. Il est juste à mes pieds. Il est où? Il est là. Mais il est où? Il est là. Et c'est le petit Chorizo. Et on ne peut pas commencer un live sans caresser Chorizo. Regardez-moi ça. Cette beauté. Cette petite bouche. C'est un petit équel. Un petit équel qui a visiblement des soucis avec son train arrière. Puisqu'il est... Il est avec des roulettes. D'où le nom. Alors... Pour resituer un peu l'action, parce que là, vous voyez, on est un peu perdu dans la pampa de Yara. On va utiliser la carte. Et sur la carte, je vais vous montrer tout de suite, si elle veut bien s'afficher, où se trouve. Voilà. Alors, le monde de Yara, c'est ça. C'est donc toute cette île, que vous voyez, elle est tellement grande qu'on ne peut pas l'afficher d'un coup. Yara, voilà comment ça s'écrit. Et donc, Yara est, comme chaque pays, divisé en plusieurs provinces. Donc là, par exemple, on a la vallée de Oro. On a ici El Este, qui est la partie sud. On a ici l'île de Santuario qui est en fait une île qui nous sert de tutoriel. C'est là que vous débarquez. C'est là que vous apprenez un petit peu les principes du gameplay. Ici, vous avez Clara et Juan. Clara, c'est la chef de la rébellion qui se trouve dans un camp qui est juste là, voilà. Et Juan, c'est un petit peu, à chaque fois je dis la même chose, mais c'est un petit peu lui, c'est un peu le... Pour ceux qui connaissent la licence James Bond, c'est le Q de James Bond, c'est-à-dire c'est le mécano, c'est le monsieur gadget, qui est donc expert en bricolage, voilà. C'est un ancien maître espion, qui va fournir à Dany, qui va vous fournir tout un tas de gadgets très utiles. Et alors, au fur et à mesure de votre progression, vous allez rencontrer du monde, notamment El Tigre. On l'a pas encore vu, ce monsieur. Talia et Paolo. Espada. Alors, en ce moment, on est avec Espada. C'est la famille Montello, voilà. Et alors, ceux qui sont en rouge, c'est les méchants. Puisque, évidemment, Anton Castillo, que vous voyez ici, il a des hommes de main. Il a des lieutenants. Et ces lieutenants, vous avez José Castillo, qu'on va d'ailleurs rencontrer très prochainement. Vous avez Diego. Diego, c'est le fils d'Antoine, qu'il essaye de former actuellement. Donc, le gamin, il est un petit peu entre deux feux, parce que je pense qu'on aura un twist avec ce personnage. Je sais pas, une intuition comme ça. Vous avez ici Maria Marquesa. Je ne sais pas du tout de qui il s'agit. Et puis El Anki McKay, ça doit être une sorte d'Américain
qui est, à mon avis, ici pour simplement ramener des dollars chez lui en fournissant des choses à Antoine, probablement. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, là, c'est des suppositions. Nous, on va continuer. Donc, nous, on se trouve à peu près ici, dans la région de Madrugada. Et notre mission, on va aller la voir. Alors, regardez. Avant de voir la mission, on va regarder quand même qui est Dani, notre personnage. C'est ici. Elle est ici, Dani. C'est elle, vous voyez. Avec, alors, elle a une tête de Claudie, de crocodile. Un crocodile qui bouge un petit peu. Le nez, le museau bouge quand on... parce que, évidemment, dans toutes, comme souvent dans les productions open world d'Ubi, on a des... C'est un peu décalé, hein. C'est un peu décalé, c'est très très fun, c'est bien fun, comme disent nos amis québécois. Et donc là, effectivement, il y a des accessoires qui sont assez, assez rigolos. Un type qu'on pourrait rencontrer, par exemple, sur Watch Dogs aussi, donc si vous êtes habitué à cette licence également. Ici, vous avez le niveau. Actuellement, on est niveau 5. Donc c'est un niveau qui est plutôt... c'est pas le meilleur niveau, hein, loin de là bien sûr, par rapport à la progression dans le jeu, mais c'est un niveau qui nous permet d'aller à peu près partout avec une certaine aisance, si tant est qu'on peut être aisé quand on joue comme moi, c'est-à-dire comme un pied. Allez, j'ai assez parlé, on va revenir sur le jeu, c'est parti. Donc on est là, on est ici, notre mission, vous voyez... Elle s'affiche en haut. C'est affronter José Castillo. Et Espada, qui est donc une des alliées, l'a coincée dans la base aérienne. Qu'est-ce que tu veux, Chorizo? Oui, tu veux encore une caresse? Ouais. Voilà. Ouais. C'est un beau garçon, bon garçon. Ok, c'est parti. Donc, à mon avis... Ah non, c'est là-bas, c'est très loin. José Castillo, il est... Oh, attendez, on a quoi là? On a des accessoires à récupérer. Voilà. L'objectif, il est à 2 km à peu près. Donc ça fait un petit peu loin pour y aller à pied. Donc, comme dans tous les Far Cry, on a des véhicules à notre disposition. On va essayer d'en prendre un, mais il faut en trouver un. On va en trouver un. Alors, est-ce que, par exemple, ici, on pourrait monter là-dedans, pareil. Tiens, ouais, pourquoi pas. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on puisse rouler avec ça. Et en plus, ça doit pas être très, très maniable comme engin. Non, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Donc on continue par là. Oula, je viens de voir. Vous avez vu le rayon laser d'un sniper. On va peut-être pas traîner dans le coin. Ce serait dommage de se faire tirer dessus. Alors c'est la nuit, il n'y a pas beaucoup de passages sur la route. Bon, on n'est pas dans un GTA, on va pas voler un véhicule. Enfin, c'est pas ma façon de jouer en tout cas. Donc on va essayer de trouver... je vous dis pas ce qu'on va essayer de trouver. Mais quand on l'aura trouvé, vous le saurez. Eh, vous avez vu un peu ce suspense. Cette tension que j'arrive à mettre en quelques mots. Ah, oh, j'ai entendu quelque chose. Non, c'est pas ça. Allez, on court à travers les champs. Jusqu'à... Oh, c'était quoi ça? Jusqu'à notre destination qui est quand même à 2 km. Ah, aïe, on est passé sous les 2 km. En même temps, y aller à pied, ça vous permet de... Pour ceux qui n'étaient pas là dans les épisodes précédents, ça vous permet d'apprécier. Alors là, la dame, elle travaille même de nuit. Oh my god, your dog is so cute! Oui, t'as vu, Chorizo, il est tellement mignon. Hello there, que voilà. Hello there, que voilà. Alors, on continue. On prend... Ici, on prend des choses... À chaque fois, de la ferraille. La ferraille, ça va nous permettre d'améliorer notre équipement, comme d'habitude. On a des poules. Il semblerait que dans les familiers, parce que le familier qu'on a actuellement, c'est Chorizo, mais il y en a d'autres, et notamment, il y a un coq.
d'après ce que j'ai pu voir. Mais ça sera compliqué de se séparer de Churluzon. Churluzo, hello le talot. Eh oui, Churluzo, il est là. Il est juste là. Il est là et... Alors lui, il se met au milieu de la route, comme en... Comme, voilà. Comme un... Churluzo, comment vas-tu, talot? Es-tu en week-end, aïe? Tu es en week-end, aïe, je pense, oui. Ah bah si, t'es là, oui, c'est que... T'es en week-end. Donc nous, on essaye d'aller là-bas. Bien, bien, et toi? Bah écoute, bien comme un vendredi, où on est en week-end, où après, en plus... Eh non, pas encore un week-end. Ah, tu travailles demain, non? Demain matin? Aïe. Aïe, caramba. Il y a ma excuse des faux espoirs qu'il vous donne, monsieur Talot. Ah oui, c'est demain? Demain, 4h30. Oh là, aïe, aïe, aïe. Ah, ça doit piquer, hein, 4h30. Ouais, mais je sais pas. Bah après, tu es peut-être habitué. Je sais pas si on s'habitue un jour à ce genre d'horaire. Mais bon, oula. Ils sont en train de nous repérer, là, les soldats d'à côté. Donc je pense pas qu'on s'habitue. C'est très bien ce jeu de marcher, en fait. Ça nous permet de... Bonsoir, madame. De pouvoir discuter, du coup, finalement. Puisque là, on n'est pas trop dans l'action. Alors, et en parlant de ça, le talot, il faut dire que c'était d'une dinguerie hier soir ton live. Et je trouve, enfin, comme je disais, j'ai quand même été assez choqué par ce que j'ai vu, entendu et lu sur ce live. C'était une indécence, d'une indignité. Donc voilà, je... Bon, après, il faut dire que... Avec des... La décadence absolue, hein, mais c'est ça. Mais c'était la décadence, mais alors... Entre Moonstars, hein, entre Kara. Kara quand même aussi, hein, dis donc, sincèrement. Moi, je me suis dit, mais je suis tombé. Où suis-je tombé? Est-ce que ce live est... comment dire? Est déconseillé au moins de 18 ans? Au plus de 18 ans? Au moins, pardon. Non, je suis très nul en maths, donc... on parle de décadence, et voilà. Alors oui, évidemment, dans les décadents, j'avais oublié de citer un des principaux. Oh non, mais Churluzo, il s'est fait... Putain, il s'est... Churluzo, il s'est fait écraser par le... Oh là 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 là, mais quel... J'avais oublié de citer le Hawkfire, hein, Hawkfire qui n'était pas le dernier à dans la gaudriole. Ouais, ouais. Non, en fait, bon, plus sérieusement, c'était très très cool. Moi, j'ai passé un vrai bon moment avec vous hier soir, sur un jeu qui était plutôt sympa. En plus. Alors, il y a des poules tout le temps sur la route. Alors, on pourrait effectivement, si on était violent, on pourrait, voilà, faire des nuggets. Mais vous savez, je ne peux pas me... Non, et puis vous voyez, il y a Churluzo qui se met dans le... Je ne peux pas me... Oh, demain, il y a une raclette chez Hawkfire. Bon, ben, ça veut dire, c'est une invitation. Bon, on est tous invités, c'est ça? Ok. Eh ben, nickel, on arrive. Est-ce qu'il faut ramener des petites patates? Alors, je pense que... Hello, que tal? Je pense que Talou, il a déjà les petites patates. Non, puis, ah non, ne commencez pas avec petites patates, parce que c'est ce genre de truc. Tu le dis une seule fois, tu as la chanson dans la tête pendant toute la nuit. Ça, c'est sûr. Ça. Le framboisier. Stop spamming caps. Ah, alors Nightbot, il a encore dit que... 11 messages ont été supprimés? Non. Mais comment je fais pour...
Comment fait-on pour enlever les messages de... Enfin, le Nightbot. On peut lui dire de ne pas... Espada, you okay? C'est honteux. Honteux. On my way. Moi, personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Alors... donc Espada, c'est la dame de Haute-Savoie. Non, c'est la dame qui nous donne des... Enfin, c'est une. Du coup, j'ai pas vu le message. Ben non, mais moi non plus. Il parlait de quoi Il parlait de framboisier. Allô, c'est ça. Hein. Faudrait que j'enlève les bottes, parce que franchement, les bottes... Hola. Il y a pas beaucoup de monde sur le chat. Et en plus, le bot, il enlève les messages... Oui, le framboisier. Ok. Oh. On va les laisser se battre. Oh là. Ah non, mais... Qui c'est qui est mort, là? Oh non, je peux pas ne pas la ranimer. You got to go. Denada. Denada, il est... Il a me fait plaisir. Alors, et les petites patates sans majuscule. Alors nous, on continue quand même, parce qu'on n'est pas là non plus pour... hein, pas le temps de niaiser. On a une mission à remplir, les gars, là. Donc, demain, notez tout le chat. Enfin, tout le chat, c'est vrai. On est tous invités chez Oakfire. Donc, je sais pas, quel horaire. Quel horaire, un horaire particulier, on débarque n'importe comment. Ouais, enfin, n'importe comment. Ouais, je pense que... Oh, cabot. Ouh, on a gagné un niveau, les gars. Donc là, on est sixième. Et là, on arrive. Site anti-aérien Tao. Je pense que là... Là, on arrive à y aller. On a... Là, ça déconne plus. Là, c'est vraiment... Déjà... On sent qu'avec les fumées qu'il y a aux alentours, il s'est passé un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Almost dead. Where's our tiny general? One of our guerrillas said he spotted him in the control tower. Okay, heading there now. Ok, la tour de contrôle. Vous avez entendu la tour de contrôle? La tour de contrôle. Alors, eh ben, on va y aller. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a personne aux alentours. Alors, on va quand même prendre le smartphone, oui, c'est ça. Pour voir s'il n'y a aucun soldat. Oh, je sens que ça va être un boss. Un boss compliqué à battre. Ah, là, il y a de la baston. Il y a du fight. Oh, putain. Quoi ? Qui nous voit? Ah, il y a ça là-haut, lui, il y a lui. Il y a lance-roquette. Il y a eux, ok. Bon. Alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. Comme de toute façon... Oula. Kenti-you. Comment ça va, Kenti-you? Ça faisait un petit moment déjà. Tac. Et là tu arrives en plein... en pleine bataille. Alors, on y va. Là, ça va être... vous savez quoi? On va... Utiliser l'arme... Une arme de destruction massive. Qui permet déjà de libérer un peu d'espace. On récupère des médocs à l'occasion. Le framboisier des musclés. Non mais la référence... Oh putain.
Alors. Oh putain, je me suis fait tuer déjà. Oh bah ça commence fort. Faut dire que je me gueule un peu. Je me lance dans la gueule du loup. Sans réfléchir, ce qui est pas. Évidemment pas une tactique à recommander. On y retourne, mais on va attendre qu'ils aient fini de cramer quand même. Voilà, hop. On recharge. Moi j'aime bien, c'est mon arme de prédilection pour le moment. J'ai toujours bien aimé les barbecues hein, en même temps. Il s'en prend à Chorizo. Il est pas que. Ah, Chorizo! Chorizo est en train de cramer. Non, non, viens. Ça va, Chorizo? Bon, ok. Où est celui qui me tire dessus? Ah non, c'est pas un Chorizo gris, t'as raison, donc, parce que. Oh, ce beau tir à la tête. Complètement par hasard, mais il était magnifique. Alors on va essayer de les avoir un peu tous ici. Attends, elle, parce que elle est. Elle bouge un peu trop là. Ne bougez pas trop, madame. Ne bougez pas. Ah merde, elle m'a vu. Faut dire que j'ai très mal visé, donc Ah, elle a bougé au moment où j'allais viser en fait. Ah, attention, hop. Voilà. Pourquoi ça. Il tout crame là, tout est en train de cramer. Donc on va monter à l'étage. Qui nous tire dessus? Ah oui, là ils sont. Grenade qui arrive. Hop. Et on va monter, hein. Faut bien monter là les gars, faut un moment ou un autre faut leur monter. Ok, là on a tout. On recharge. Et il serait tout là-haut lui. Alors est-ce que si on passait par là. D'où ils sortent les autres? Voilà, ok. Voilà, ça c'est bon. Ah, le Supremo, il est prêt. Le Supremo, il est prêt. Comment on va passer? Est-ce que vous avez vu un endroit pour passer? Pour monter à l'étage? Ah bah oui. Bah là, tout simplement. Un escalier. Ce qui est quand même bien pratique, un escalier pour monter en haut. Bon, attention, cinématique confrontation avec José Castillo, le neveu d'Antoine Castillo, le méchant de l'histoire. Et là, c'est Danny. Danny est là. Hey, he's not here. Gonya, you sure? Little Camilla could be hiding in some tight places. No, he's. Ah non, il s'est barré avec un hélico et il va nous tirer dessus.
j'ai un peu téléphoné quand même. Je vous rappelle qu'on est sur un aéroport, donc forcément, hélico. Oh là là, ça va être chaud là. Ça va être chaud parce que... Attendez, on va utiliser le... Voilà. Oh putain. Soigner. Allô? Allô, allô? Oui. Oui, Talif. Talou. Allô, Talou. On va utiliser... Alors, comment... Alors, ça, on sera... Ça va être compliqué parce qu'on n'a pas d'armes. Talou. Oui, c'est ça, c'est Talou. On n'a pas d'armes adaptées du tout pour... On n'a pas de lance-roquettes ou quoi que ce soit. À moins que... Attendez. Oh putain, mais il me tire dessus. Ah ouah, ouah, oh là là, on va mourir. On va mourir. We gonna die. Attendez. Si on se met là, est-ce qu'il va de l'autre côté? Non, c'est bon. Ici... Oh, voilà, on prend un peu de notre temps pour aller dans l'arsenal pour vérifier qu'on n'a pas une arme quand même un peu plus adaptée que notre petit PM qui est ridicule. Face à un hélico aussi. Alors, je crois que c'est ça, non, fusil d'assaut. Non, c'est pas ça que. C'est là, je crois bien. Sniper, non, mais on avait un truc. Voilà, c'est ça qu'on veut, le lance-roquette. Il est où le lance-roquette? On peut pas l'utiliser en arme principale 2. On peut l'utiliser qu'en arme principale 1, donc. On n'a plus de lance-roquette, mais il me semblait qu'on avait de lance-roquette. Projectile, chargeur 1. C'est quoi ça? Ah oui, mais non, ça n'a pas allé. Ça n'a pas allé parce que c'est des flèches, donc les flèches, dégâts, ça fait des gros dégâts, mais... Fusil d'assaut. Alors on essaye, on va essayer, on va voir. J'y crois pas, hein. J'y crois pas une seconde, mais... Oh putain, oh putain. Ah si, ça l'a touché. Mais alors... Là, à ce... Oh putain, soigner. À ce train-là, on en a pour au moins 10 heures de... 10 heures, hein, parce que chaque... chaque flèche lui enlève quoi? Quelques points de dégâts. Je lui fais que quelques points de dégâts, donc... Bon, si vous avez 10 heures devant vous, les gars, super. Enfin, on va monter là-haut. Non, on va mourir. Ah oui. C'était une très mauvaise idée, mais voilà, je voulais monter voir ce qu'il y avait à cet étage. Bon, on n'est pas sorti de la berge. Pas sorti de la berge, moi je vous le dis. Donc c'est un boss. Bon, je suis pas très boss, franchement. Moi j'aime bien, des petits ennemis comme ça, des petits soldats faciles. Et là, c'est un gros boss. Les hélicos dans Far Cry, ils sont très costauds. Ah, c'est bien, on revient là au moins, donc déjà... Pourquoi il va prendre le jeu? Donc on va faire... Il y a une autre tactique. Voilà, au moins... Une autre tactique qui sera sans doute, à mon avis, aussi... aussi long, c'est d'utiliser le supremo, c'est-à-dire notre arme qui fait quand même pas mal de dégâts, mais qui se recharge tous les quarts d'heure. Donc je sais
sais pas du tout comment on peut Oh putain, non. On n'a pas ce qu'il faut en fait. On n'a pas du tout On n'a pas du tout le matos qu'il faut. Hein. Ah bah oui, il y a celui qui est derrière là, qui nous tire dessus là. Attendez, on va... Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Non, c'est pas une bonne idée. Ouais. Oula. Il arrive. Alors vu que je me mets à couvert, la plupart du temps cet hélico va ressembler à un petit losange jaune qui clignote. C'est vrai que c'est pas très cinématographique comme... Ah attendez. Il était occupé à tuer les autres, donc c'est pas mal. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui m'a envoyé ces trucs-là là? Voilà. Là, je lui ai réglé son compte à lui, là. Ok. Donc, c'est pas trop mal, quand même. Allez, bam! Ah ouais, t'as vu ça comme... Ouais. Continue, ils sont... En même temps, t'as vu ce qu'on leur envoie? C'est des flèches, c'est des javelots les trucs qu'on leur envoie. Donc, ça peut... Oh putain! Et là, voilà, je me suis pris une bombe nucléaire en pleine gueule. Donc on va recommencer tout, super, donc là, ah c'est dommage de commencer un live par une grosse confrontation parce que ça va durer longtemps, donc vous verrez pas grand chose du jeu je crois, mais non, on va y arriver, on y arrive toujours. Non, on commence pas déjà à me tuer, donc déjà faut qu'on sorte, hein, on est d'accord. Première option, c'est sortir et puis lui foutre ça. Voilà, nickel. Ça, c'est bien. Ça l'a calmé un petit peu. Donc, en attendant que cette arme se recharge, on va. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il est trop haut. Mais... Alors en même temps, on n'a que 5. On n'en a que 5, ce qui n'est pas beaucoup. Vous voyez, en bas à droite, il y a une petite... Alors je peux là-bas, je lui fais un petit peu de dégâts mais pas grand chose. Avec ça, ouais. Mais le temps que en bas à droite, il y a un. À côté du nombre de munitions, on a une icône qui se remplit petit à petit. Là on a un petit peu de rouge. Et c'est le temps de réarmement de notre arme fatale, du Supremo. Mais c'est très long, ça prend au moins 10 minutes. Non, j'ai pas l'impression que ça lui fait des dégâts, t'as raison, hein, ça se trouve ça lui fait pas du tout de dégâts. En même temps, j'ai pas trop le choix. Hein. Si je prends ça,
Ouais, là si je prends ça, ça va pas. C'est le sniper, mais le sniper c'est. Il y a des bonnes balles aussi. Alors lui, ça lui a enlevé 8%. Ah, la musique et la voix, ils sont deux en écho, ok. Là, c'est mieux peut-être. Voilà, là, il n'y a plus. Il ne va plus y avoir la musique, le son et la musique. Est-ce que... Où il est? Où il est il est là. Donc avec ce fusil sniper, j'ai 30 balles et à chaque fois, chaque balle lui fait 2% de dégâts. Ce qui est rien du tout, mais bon. Alors là, j'ai fait 1%. Ça doit dépendre de... Il faudrait que j'arrive à tirer sur le pilote. Ouh, c'est pas mal. Là, c'était pas mal. Ça a l'air bon pour le son, super. Merci, Kentin. Alors... Tiens, pendant que lui... Oh putain la vache, il faut se barrer là. Sinon on va se prendre... C'est bon, il est... Ah, vous avez vu? Il a 37, alors 37, faut qu'on attende tranquillement que notre Supremo se recharge, il est quasiment à moitié rechargé. Churluzo. Ah, Churluzo est à terre. Tente le moyeu de l'hélico, ouais j'y pensais, mais alors... à quel point je suis capable de viser. Tu connais mes capacités à viser, hein, Quentin. Donc, ça va être chaud. Là, j'essaye de viser sa roue. Mais t'as raison, hein, sans doute qu'il doit avoir des parties plus vulnérables que d'autres. Je pense qu'ils ont implémenté ça. Mais voilà, je suis pas assez fort pour... Oh putain! Oh la vache, il a passé. Ah merde! Là, faut pas jouer au con parce que là, ça serait dommage de se faire avoir maintenant. Alors qu'il est à 19% seulement de points de vie. La porte me gêne. Oups, il m'a vu. Non, il ne m'a pas vu. Il va descendre et là on va lui. Oh, il descend bas. Pourquoi il descend bas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait?
Oh, il change. Il change de... Ah oui, il s'est mis là. Il a changé de côté. Ah oui, il est quand même vicieux, hein, le rosé, là. Oh là là, 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 c'est bon. Là, c'est mort. Il est où? Il est là. Là, on joue au chat et à la souris. Ah, il est là. Attention. Attention, on va lui tirer dessus. Oh putain, il arrive, il arrive. Oh non, il est là. Il est là, le supplémo est bientôt chargé, les amis, regardez. Où est-il? Où est-il? 16%, ça serait pas le moment de... déconner là. Bon, visuellement, j'avoue que ça doit être très 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 intéressant pour vous. Je suis désolé, mais c'est ma façon de jouer. Quand on n'a pas de skill, on est patient. On est patient, on essaye d'être un peu malin. Bon, on l'a à peine effleuré là. Ah, regardez, le supplémo en bas à droite, il est presque rouge. Quand il sera complètement rouge, on va pouvoir lancer notre arme de destruction. Alors vas-y, vas-y, là tu es chargé, là tu dois être chargé là. Mais qui nous... Supprime-moi prêt, attention on y va, on est prêt, allez c'est parti. Et voilà. Voilà, c'est réglé. Ouh. Eh ben. Bon, c'était pas très courageux et très très glorieux, mais le résultat est là. L'histoire se rappellera uniquement que ce rosé est dead. Donc voilà. D'ailleurs, il tousse. Voyez, il tousse. Il est pas mort encore. Il est pas mort. 1 million if you kill her. 2 million. Yaren cigarettes. Thought you couldn't find these out here. And Don loves me. He'll send this army to rape and murder every one of you fucking Monteros for this. I don't see no Anton or your true Yaren friends. You know. My papa gave me this blade when I was 7. Told me how to throw it, how to kill with it. You look just like him. Tell me, is there enough of him left to bury? Wow, ça fait mal ça. But this blade doesn't really say Yara's might, does it? Oh non. You took my land. You took my papa. And now it's time to give.
Mauvais, mon Napoléon El Pequeño. C'est quand même... C'est dégueu, non? Il a pas dû souffrir, beaucoup. Not like I remember it. Bah déjà, il faut qu'il ait quand même une grande bouche pour pouvoir rentrer une grenade à l'intérieur. Hmm. Donc elle a dû lui péter la mâchoire déjà. Ah, chorizo! C'est la fiesta, bien sûr. Philly est en caleçon. Bien sûr. Well, then that's his choice. Et papa? Did he get a choice? Did he get to see us win something? You never would have won anything if you were still here. How the fuck would the Queen of Libertad know? I know he was never going to give you the farm, Camila. Or the camp. But look what you achieved. Espada, you are what the camp needed. You are what Libertad needs. You are the one to help us take down Castillo. She's not wrong, Espada. There's no future for the West without help. And there's no future for Libertad without the West. Moteros don't shake. We drink. To the Montero. To the future. À l'avenir. Voilà, donc vous voyez, vous avez vu les trois femmes. Donc les Montero combattront avec Libertad. On a... rallier une première famille à notre cause, à savoir la chute de Anton Castillo. You want to confess? Là, vous allez voir Anton. Voilà, le voilà, le fameux Anton. Et Diego, son fils. Why? He was an asshole. Why? He was weak. Mi papa is saying, God gives victory to the lions. Sounds religious. Mi papa loved Jesus. He would always say, Jesus would make an amazing young presidente. Mi exact, continue. Eh? Always remember. C'est lui. Jesus was both the lion and the lamb. C'est lui, c'est cet acteur. Strength, but enfin, c'est l'acteur qui joue Gustave, oui. You believe that? After he was murdered, your grandmother and I were left to survive alone. She would always remind me of my father's obsession with that verse. She hated it. Why? Because he had it all wrong. Be the lion and the lamb? No, she would say, Anton, there are lions and there are lambs. Rule or be ruled. A Castillo must be a lion. For Yara is full of lambs. You don't talk about her. She was always strong, smart, powerful, but a woman in Yara. And in those days, she had the wrong skin to lead. Voilà, ils sont en train de disperser de l'essence pendant ce temps-là. Tranquillement, dans l'église. Mi papa was a lamb. José is a lamb. You want to know why we're here? Il a acheté son cigare, vous allez voir. You are a lion. And we eat the fucking lambs. Et voilà. Voilà comment on enterre dans la famille Castillo. Et oui, effectivement, c'est Gustavo Fring. Ça donne énormément de profondeur aux héros. Et c'est très important dans la licence Far Cry d'avoir des héros emblématiques. Ouais. Avec une vraie, un vrai charisme. C'était le cas dans les précédents Far Cry. Moi, je parle souvent de Joseph, de Far Cry 5, qui est excellent. Et de Vance, dans le Far Cry 3. Oui, c'est le 3, je crois. Et là, dans ce Far Cry, on a un bon méchant. Charismatique. Voilà. Donc là, on se retrouve au camp. Danny, the West owes you its freedom. But we need to build momentum or the revolution will fail. Maximus Matanzas and the legends are out there and they need your help.
I hear you. Let's go on a Thanks, Clara. With guns and grenades. You found it. Okay. Oh, but Chorizo, il est là. Ouais. Chorizo, Chorizo. Chorizo. On peut pas te caresser. Hmm. Bon. Cockfighting. Alors, le camp, voyez. Bon, je le dis à chaque fois, mais ici, pour la première fois dans la série, on a l'occasion de voir notre personnage en vue à la troisième personne. Parce qu'on est dans le camp. Parce que regardez, dès qu'on sort du camp, est-ce qu'on peut sortir du camp par là? Non, on peut pas. Bon, on va sauter par-dessus la barrière, c'est pas grave. On ne peut pas. Ah ben, on peut pas. Alors ici, là on a une sortie, voilà, on a une sortie, regardez. Tac, on repasse en vue à la première personne, voilà. Et tout l'intérêt de cette vue, et d'ailleurs dans les cinématiques, vous avez remarqué qu'on voit aussi Danny, on voit le héros, l'héroïne. Ça permet de donner évidemment beaucoup plus de, pareil, de profondeur à notre héros, à notre héroïne en l'occurrence. Et de mieux s'attacher à elle. Qu'on la voit. Alors, vous savez quoi, on va changer, parce que moi, le truc de crocodile, je trouve ça, bon, c'est sympa, mais ça n'est pas très sérieux quand on est dans la rébellion. On va l'enlever. Puis surtout, on verra mieux la tête de Danny. Équipement. On va aller dans l'équipement. On va lui enlever ça. Et à la place, on va lui mettre les lunettes. C'est quand même beaucoup plus stylé, non? C'est quoi ça? Ah, la masque à gaz, non? Non, on va pas mettre masque à gaz. Les lunettes, allez, c'est très bien. On avait aussi ça, c'était un œil cybernétique qui permet de quoi marque automatiquement les ennemis à proximité après une exécution quand l'humain et la machine ne sont qu'une. Ah, ça peut être intéressant quand même. Allez, on va prendre ça. Voilà, on a la panoplie complète. Et on retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le journal? Les opérations. Alors, là, niveau 8, on est un petit peu... On est niveau 6, donc ça va être un peu trop compliqué. On a le choix. Rencontre avec les légendes. Rencontre avec Maximus Montazas. Montaras. Je sais pas comment ça se dit. Mais... Voyons voir sur la carte. Ce qu'on a sur la carte de proposer... Bon, on va aller parler ici. Opération spéciale. Non, c'est des opérations spéciales. Alors. Goddess of goods and gossip. I sell everything from guns to toilet paper on the black market, and none of that one ply bullshit either. My products are premium plush, baby. Parc, now I'm cool to sell you whatever, but Yara's got a big problem we can't ignore. Something bad is on the market. Castillo's lieutenants have developed some deadly new weapons, and I know where they are. We go in. Ok, c'est les parties rapides. Pour l'instant, on va pas faire ça. On va plutôt voir si on peut améliorer l'équipement. Oh yeah, Danny. Réseau de planque. Ici, on n'a pas suffisamment de métal pour améliorer le camp. Des guerrilleros. Donc on va attendre un peu. Vous voyez, on fait la visite. Hein, voilà, là un peu la base. Ici. Ah, on est ressorti du camp. D'accord. Et on peut demander un hélico. Ok. Eh bien, vous savez quoi? On va demander un hélico. On n'a jamais pris d'hélico encore, mais on va y aller, demander un hélico. Ce qui va nous permettre, alors par contre, on ne sait pas, on n'a pas encore d'objectif, ça c'est pas terrible. L'objectif, on va prendre ça, on va prendre l'objectif, le paradis perdu, non c'est trop. Prenez contact avec les légendes de 67 à LST, les légendes de la révolution de 1967 vivent désormais sur les plus hauts sommets de l'Est de Yara, ce sont des héros. Pour de nombreux Yarans, ils seraient des alliés de poids dans notre révolution. El Tigre est notre contact. Ah oui, El Tigre. Bah tiens, c'est celui dont on parlait tout à l'heure. Et ben on va y aller. C'est quand même à 7 km, 5 km.
On y va. Donc 5 km. On aura bien besoin d'un hélico. Comment ça marche? Comment ça marche l'hélico? Ça marche comme ça. Ok, allez, c'est parti. On est dans la course au trésor. Donc, l'étoile... Comment ils appellent ça dans la course au trésor? La chasse au trésor, vous savez? Se trouve dans les marais salants de... La région que l'on survole actuellement est donc une région plutôt agricole. Et l'indice se trouve... par contre, on se traîne dans un hélico, on est d'accord? Regardez la lune, c'est beau. La rose des vents, voilà, c'est ça, c'est comme ça, je crois, qu'ils appelaient ça dans la chasse au trésor, la course au trésor. Vous êtes sur France 3 et la chasse au trésor commence à peine. Alors, vu d'en haut, ça permet de voir, d'apprécier un peu l'île. Alors là, on est rentré dans la vallée del Hoyo. Lara, I'm on my way to Valle de Oro. Good. I hope you find Maximus Matanzas. How do you know them anyway? Talia and I led the first protests against Castillo, while Paolo mobilized the dissidents. We lost contact after the Esperanza riots. I saw those riots. A lot of people got hurt. Voilà, donc on essaye de pas trop voler. De voler suffisamment pour éviter les missiles anti-aériens, les canons anti-aériens qui sont dispersés sur le... Et en dessous, on a Chorizo qui apparaît de temps en temps. Quand tu penses que cette petite boule de poil est en train de se taper les 5 km à pied alors qu'il a que 2 pattes sur 4 et que nous, on est tranquillement dans un hélico. Qui avait largement la place d'accueillir un teckel. Mais non. Non, non, on est... On va faire bosser un peu le Chorizo, là. On approche, on survole la mer. Attention, pilot. Oula. You are flying in restricted airspace. Land your craft immediately. What? Ouh là là, on va se faire Ouh là, on saute, faut sauter. On est en wingsuit là, c'est ça? Ouais, je crois qu'on est en wingsuit, ouais, donc on finit en wingsuit hein. Pendant que notre hélico est en train de s'écraser lamentablement sur la base ennemie ou sur un village de pêcheurs qui n'a rien demandé. Il va tuer des centaines d'innocents. Ça serait dommage. Alors par contre, là, vous savez, là, il faudrait aussi pas non plus qu'on tombe dans l'eau, parce que dans l'eau... Oh la vache, attendez. Hop. Il y a des requins. Vous voyez, on est dans les Caraïbes, donc... Oh putain, là, on est vachement au large. On va se faire bouffer, les gars, là. Oh non, putain, j'aime pas ça. Alors, puis moi, j'ai une phobie des... Là, tu vas voir qu'on va se faire... Oh putain, je le savais, il y en a un qui est à nos trousses, des requins là. Il va encore nous bouffer la jambe. Clara, I'm at an old fort. Know anything about it? The one near Segunda, no? Castillo uses it to stop the... Oh putain, dépêche-toi, à chaque fois, mais je fais un bond, les gars. Je fais un bond. Il est où ce coin? Ouais, ça va. Il a de la chance. Hein. Bon, nous, ça nous avance pas trop parce que vous voyez, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Donc, on va essayer de trouver un. On va continuer. En bateau. Si on peut. Mais sauf que là-dessus. Ah, sauf que là, on est dans un camp ennemi.
vous savez quoi, on va en profiter. On va profiter pour faire ce camp. Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, mais, voilà, faut monter. Non, c'est pas celui-là que je voulais détacher. C'est l'autre à côté là. Hop. Bon, c'est pas grave. On y va. Allez, monte. Grimpe. Ok, super. Là, on est parfait. On est, on a une visibilité. Ouh, c'est une forteresse carrément. Une super visibilité sur le... Vous savez quoi? On a un truc à lire là, on va lire quelque chose. Rappel. N'oublie pas, le rendez-vous est à la place El Toro, demain à minuit. Apporte de l'argent cette fois. Pas tes faux billets de jeu de plateau, c'est du sérieux. Et n'oublie pas tes cartes énergie. Je m'en fous que ton magnéton holographique soit hyper rare. T'as pas le droit de la jouer si... T'as pas de quoi lancer ses attaques. C'est pourtant simple, non? Ouais, donc il joue, apparemment il joue à je sais pas quoi, mais... Alors, ici, on a une vue imprenable sur la forteresse. Que on va essayer de prendre. Vous êtes prêts? On va essayer de prendre la forteresse. On a ici un lance-roquette. On a la balle à l'arme qui est quand même le truc principal et prioritaire à tuer. Enfin, à désactiver. Et là-bas, on a aussi un sniper. Ça aussi, c'est très important de le tuer juste avant. Dans les premiers. Ici, on en a encore un. Ok. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde hein, sur cette forteresse quand même. Ah voilà. Quand on zoome, c'est beaucoup plus facile, forcément. On a une mitraillette là-bas. Ah ouais, ils sont quand même nombreux. Là, je pensais qu'ils étaient moins, mais là, ils sont un petit paquet. Alors ça, on va pouvoir le tuer comme ça. On a deux solutions. Ça, on tire dessus. Et Turluso, il est où là? Il est là, lui? Ouais, ok. Allez, let's go. On y va. On prend la tyrolienne. Peut-être pas maintenant, parce que l'autre, il se ramène sur le pont. C'est pas une bonne idée. On commence à préparer le terrain pour le... Ah, attendez, mais si on essaye ça? Effectivement. Non, c'est pas une... Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On va essayer sur celui-là qui est quand même plus près. Très mauvaise idée. Ça vise absolument pas où c'est censé viser. Bon, non, ça sert à rien ce truc, hein. On est d'accord. On prend ça. On est dans la place, on est dans la place. On va traîner le corps parce que... Oh putain, il m'a vu. Il m'a vu, il me voit avec un corps, c'est pas du tout bon. Quoi, vite, mais putain, mais... Ah, c'est mauvais. Non, l'alarme, pas l'alarme, parce que l'alarme, ça va être trop la merde. Oh non, 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 merde. Ah, mais quel boulet.
Alors, quand l'alarme est déclenchée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Eh ben, il y a un hélico qui va se parer, qui va se présenter. Oh, oh putain. C'est pas bon du tout ce qui se passe. Voilà, hop, ça crame. Ils sont en train de viser sur Chorizo. Là j'ai mis le feu, j'ai déjà mis le feu partout là. J'espère qu'il n'y avait pas des choses à récupérer parce que ça va être... Attendez, vous savez quoi? Voilà, voilà. Petit temps mort, on va récupérer un truc qui est quand même une arme qui est très bien. C'est celle-là. Est-ce qu'on peut la prendre? Arme principale 2. Non. Celle-là, elle est bien. Équipée. Voilà. Juste là, je l'aime bien. Voilà. Tout le monde crame. C'est bien. Voilà, vous avez vu, elle est quand même pas mal celle-là. Chorizo est à terre, Chorizo est à terre. On va aller tuer ceux qui s'enfuient là. Bon là je suis en train de faire un truc qui est inutile parce que l'alarme a déjà été donnée. Hop. Ah tiens, Chorizo il est là. Ne bouge pas mon petit. Voilà, c'est bon. Par contre, il y a certainement... Oh, il y a quelqu'un ici. On peut pas y aller. Il y en a ailleurs, où ils sont? Il y en a un quelque part, mais où se cache-t-il? Putain, mais d'où elle me tire? Ah, il y en a une ici. Ils sont en train de tirer sur Chorizo. Tiens, voilà. Ah oui, on a le fameux. C'est bon. On a eu le sniper.
Et là, on a d'autres troupes qui arrivent, mais est-ce qu'on va pouvoir... quitter. Hop. Ah, c'était pas mal, ça. Hein. C'était une bonne... Où sont-ils? Voilà. Hop. Ah oh, merde. Je recharge, attention. Non, tu ne touches pas. Attention. Tiens, voilà. Ça va? Ouais, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, il y en a un ici. Et là, on doit être pas être loin d'avoir tué tout le monde, ce qui permettrait de passer cette forteresse dans le camp allié. On récupère des... au passage. Oh là, il doit y avoir plein de choses là-dedans, là, non? Qu'est-ce qu'on a? On a du... des médocs, du métal, ça c'est bien. C'est bien pour améliorer le camp. De l'essence. Ah, un PPSMG. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être sympa. Là, on se gave, hein. on prend tout ce qu'il y a. Et là, là, il n'y a rien, mais... Par contre, il doit rester certainement un ennemi quelque part parce que... de la réserve de contrebande. Ben on l'a déjà. Chorizo, est-ce que tu as vu d'autres ennemis? Réponds-moi, Chorizo. Non? Il doit en rester certainement, mais où se cache-t-il? Ah, il y en a évidemment une qui se cache quelque part par là. J'ai entendu. Compliqué là de trouver le dernier. Qu'est-ce se passe-t-il? Ouais. Pas été par là, je crois, non? Non, on n'a pas été par là. Peut-être ici, mais là, non, si on a été déjà là. On n'a plus personne. L'otage doit se trouver dans une cellule de la vieille prison du fort. Ah, ok. Alors, où se trouve la prison du fort? Je ne vois pas du tout
où ça pourrait être. Ah, c'est à l'intérieur, forcément c'est par là. Ah, on n'est pas loin. Ah, c'est ici. Voilà. Voilà, monsieur, je vais vous libérer. Alors, est-ce que ça suffit pour protéger l'otage? Ah oui, où est-il? Il est là. Faut qu'on le... D'accord, il faut qu'on le... l'emmène dehors, ok. Il est là, d'accord, ok. Viens par là, viens par là. Non, c'est pas... Ah, attends, il se barre par là, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Là, il veut sortir, c'est normal. C'est normal, il était emprisonné pendant... Il a pris un flingue, ok. Ah, il est parti par en... Wow. Où c'est qu'il est? Il va se faire tuer. Il va se faire tuer. Ah non, t'es là. Ok. Là, il suit en fait. Il nous suit, donc c'est bon. Bah viens. Amigo. Venga. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais hey. Oh. Oh, on est là. On est là. Voilà, bien. Monte. Alors, monte l'otage de sommeil. Faut protéger le phare. Ok. Mais qu'est-ce qui... Moi qui puisse passer par là. Ah, il veut se barrer par là, peut-être. Non, il veut pas. En fait, il reste là. Pourquoi la fin de la mission ne se déclenche pas? Il doit rester un... Il doit rester un ennemi dans un coin, caché. Ah, il est là, ok. Alors viens, viens là, on se barre. Se barrer en bateau, ça va être compliqué. Apparemment, il n'y a pas de... Sur l'iso, ne va pas trop dans l'eau, il y a des requins. Donc... Où il est, ce con? Il est là. Viens, viens par là. On va partir par là. Qui nous suit? Il nous suit pas. Ah! Il y a quelqu'un par là. Il y a quelqu'un.
Mais je suis paumé, les gars, là. Je vois pas où se trouvent les ennemis. Bon, on va faire ça. Allez, hop. C'est inutile, mais ça détend. Où c'est qu'ils peuvent se cacher ? Eh ben, voilà autre chose, hein, c'est Là, on peut dire qu'on a fait le tour complet de la forteresse. Mais que... Mais qu'on n'a toujours pas trouvé le... À moins que... Ah, il est là. Ah là là, non mais regardez. Franchement. Il est paumé ici. Ah bah quand même. On a réussi à libérer ce fort. Le fort Santa Maria. Et en plus on a sauvé l'otage. Allez, on a quand même. On a récupéré 300 points d'expérience. Ce qui est pas mal. Donc nous, on était quand même partis sur une mission bien précise, c'est d'aller rencontrer El Tigre au camp des légendes de 67. Alors, ça se trouve à 1327 mètres. On va essayer d'y aller, mais à cheval. À moins qu'on amène une voiture. Allez, on va appeler un véhicule. Qu'est-ce qu'on a comme véhicule? On a des... coupé Miami Miracle. C'est quand même... C'est la classe, ça, non? Ah ouais, très très sympa. Alors... Alors... Est-ce que c'est par là? On va regarder la carte quand même pour être sûr d'aller dans le bon... Ah, on est carrément... Oh non, mais ça nous fait tout un détour. Non, vous savez, on va pas faire ça. On va pas faire ça. En plus, j'ai cliqué sur un mauvais bouton, puisque ça nous renvoie... On va prendre le bateau. Voilà, très bien, parfait. Et on va aller... Chorizo, tu suis là. On va aller là-bas. Prendre un bateau parce que... Notre objectif, il est juste de l'autre côté de la baie. S'il faut se taper tout le tour en voiture, ça va être un peu... Je crois que le bateau était par là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bateau. Merda. J'étais persuadé qu'il y en avait. Alors non, mais il a disparu. Bon, à la nage, ça va être très risqué, hein, vu le nombre de requins qu'il y a quand même dans le coin. Est-ce qu'on peut appeler un hélico?
Qu'est-ce qu'on a là? On a des trucs là. Attendez, lire. Note grossière. Mauvaise nouvelle, Louis. Si tu te demandes où est passée ta chère petite Juanita, on dirait bien qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a été transférée au site anti-aérien hier. D'après moi, c'est une grave erreur. Elle serait incapable de toucher un mur au plus d'un mètre. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle abatte un de nos avions. Mais peu importe, tu ne vaux pas mieux qu'elle. Quand vous aurez tous les deux été fusillés pour incompétence, vous pourrez passer l'éternité ensemble. Sympa. Toujours sympa de critiquer ses petits camarades. Alors, ah, il est là, le site anti-aérien, ok. Notez qu'il y en a là aussi, donc ça serait bien de les... Ah, voilà, ici, on peut appeler un bateau. On va pas forcément appeler un bateau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a qu'un bateau? Bon, allez, on va appeler un bateau, tant pis. J'aurais bien aimé un jet ski, mais bon. C'est parti. Alors, conduire. Hop. Et on va aller ici. Alors. Vous voyez le temps fou qu'on gagne là, les amis. On gagne quand même beaucoup de temps. On a LST. Lara, I'm near LST. And history is repeating itself. What do you mean? This is the land where legends are born, Danny. The 67 revolution started in El Este. El Tigre, La Quimama, Lorenzo, Lobo, they led the guerrillas who overthrew Castillo's father, Gabriel. Libertad is taking Yara full circle. And they know I'm coming to give them the good news? El Tigre is very, very excited. Promise. Les colinas robustas. Okay, donc là, c'est là qu'ils font du café, apparemment. Non, on a l'impression. Donc là, on en profite pour... Ah, c'est une végétation un peu plus... El Tigre. That's me. You must be that kid Clara mentioned. Libertad's chosen one. I'm not a kid. Of course not. You're baby Tigre. And don't worry. I'll make sure you don't end up one of Benitez's trophies. Who's Benitez? Head of Castillo's Navy, a real sea monster. She likes to hang traitors like fish for all of El Este to see. Fal carajo. Well, I'm in El Este now. I love it. All of it. You, have a long night? The rum and coke was flowing last night, baby Tigre. Minus the coke. Been there. I'm sending you some photos. Should help you find us. Is that a crab? Rock? See. Call me when you get there. And bring grappling gear. You're going to need it. Now get moving up our mountain. We can't wait to meet you, baby Tigre. Oui, ok. Bon. Bébé Tigre, donc. J'appelle bébé Tigre, là. Non mais. Oh. Oh. Alors. À voir ce que le bébé Tigre il a dans la. Le capot. Alors. 300 mètres et on va le voir, El Tigre. Ah, c'est un coin de chasse aux lièvres, on n'a pas encore chassé. Mais bah c'est pas maintenant qu'on va le faire, parce que la chasse... pas trop besoin de le faire, là. Ok, hey, le chorizo, au fait. Il est là, le chorizo. Let's go. Voilà le camp de El Tigre, ok. Never seen a perrito on wheels before. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, c'est bon, tu es là. Okay. Hey El Tigre, I'm at the Crab Rock. Very artistic.
Lorenzo's the artist, and we guerrillas are like the crabs. Hard shells? Sharp claws? They fight from the jungle to give birth in the ocean. We fought from the ocean and gave birth to la revolution. Si. I got it. Take the footpath up the mountain, very easy. A guerrilla must be sure-footed, like a goat. Goat? I thought we were like a crab. Hello? Pinga. Ok, donc là on a un rocher qui est, bon, qui est peint aux couleurs d'un crabe. C'est sympathique. Et il nous demande de nous engager dans ce sentier qui s'enfonce dans la jungle. Dans la jungle. Alors, eh ben on va le suivre. Oh, je sens que ça va être un petit peu... une chèvre. Ouais, très bien Biquette, c'est bien. Alors là, toi par contre, t'es en plein milieu du chemin, tu pourrais pas te lever un peu là, non? Non, on s'en fout. Est-ce qu'elle bouge? Pas du tout. Ah, on a l'impression d'être dans Koh-Lanta quand même, hein. Ah, il y a Denis qui nous attend là-haut, je le sens. C'était quoi ça? Un écureuil? Non? Un lapin, un lièvre. Ok. Donc on approche. On approche tout doucement de El Tingle. Oh, il y a du lièvre dans le coin. Waouh! Ça, les chasseurs, ils pourraient s'en donner à cœur joie là. Looks like the waterfall from El Tigre's photo. I took her up there. Tout à fait. Oh, le Boston. Le Boston est là. Hello, je passe entre des tranches de fromage raclette. Ah oui, c'est vrai que tu fais une raclette ce soir. Plein de love à toi, mon poulet, et bon stream à toi. Mais merci beaucoup, plein de love aussi. Plein de love et de fromage. Ça donne de la chance parce que tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris une raclette. Bon appétit, hein. A handful of grenades. Et profite, profite bien, ça. C'est mon bon, les raclettes. Il y a du crabe, il y a du crabe partout là. Yeah, I get it. Mais c'est super gentil d'être passé à Boston en tout cas. Qu'est-ce qu'elle veut la dame? Stay strong. Ah, faut monter là-haut. Ok, on va monter. On va monter par là. On va ranger le smartphone qui sert à rien. Il y a de la chèvre, il y a du lièvre, il y a du... Oh. Il y a du perroquet. Oh là, on va être obligé d'utiliser le grappin même. This will be easy, he says. Be like a goat, he says. C'est comme les chèvres. Oh, il y a plein de cœurs qui apparaissent à l'écran, regardez comme c'est beau, ça c'est le Boston. Le Boston qui... Merde. Oh, c'est bon. Alors on continue. Jusqu'en haut, on est à 35 mètres. Je sens que El Tigre va être un personnage... très charismatique. Je sais pas pourquoi, mais je sens comme ça une intuition. Étouffe-toi avec, nommé Talo. Nommé hey. Ah oui, Talo, il est jaloux. Mais moi aussi, je suis jaloux parce que j'aimerais bien avoir une raclette là. Petite raclette, mais c'est une bonne idée. Tiens, je vais voir. Je vais voir si ce week-end organiser ça. Hop. Parce que entre les patates du Hawkfire et les raclettes. En vrai, t'en as au frigo? Eh ben vas-y. Vas-y, hé. Hey. Balance. Alors c'est peut-être un peu tard pour manger une raclette quand même. En même temps c'est à la base, hein. C'est un truc des fameux sticks patates. Ouais. C'est les trucs qu'il faut avoir. Qu'est-ce que je fais là? Ah, faut prendre le grappin. C'est ce qu'il faut toujours avoir dans son frigo. Hein. Mais, détaché, mais comment on fait après pour... Comment on fait pour aller
Ah, c'est là, ok. Descendre, grimper. Ah oui, ok, il faut faire ça. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, il faut se... Voilà, c'était ça. Donc une petite séance de gym dans ce Far Cry. Enfin, de grimpette. Ce qui est très sympa. Ça change un peu du fight. Ça me rappelle un peu Tomb Raider aussi. Et vous savez à quel point Lara me manque. Et Lara, elle n'est pas prête de revenir a priori, d'après ce que j'ai compris, parce que... Utiliser la tyrolienne. Non, non, je vais pas utiliser la tyrolienne. Je veux monter là-haut. La tyrolienne, elle va nous emmener où? Là, là. Mais non, ça va pas... Ça sert à rien, ça. Si. Ah bah je pense que si, on n'a pas le choix, alors hop. Baby Tigre, after the war, that path became a famous hiking trail for sweaty touristas. They'd visit our camp, leave their shit everywhere, take photographs of us like we were animals in a zoo. So we might have accidentally lit a few dynamite sticks and might have accidentally blocked the trail. Oh là là. Then I might have to accidentally unblock it. Ouais, accidentellement, c'est... Comment on tire là-dessus? Avec ça, là? Oh, attendez. Je veux pas non plus... Ah bah oui, voilà. Oh. Voilà, il suffisait de faire ça. Ok. Un peu plus si on se prenait ça sur la tronche quand même. Alors, on continue de grimper pendant que d'autres mangent des raclettes. Non mais j'ai trop envie d'une raclette, maintenant c'est malin ça. Alors ouais, bon ça je pense que... Ouais. Oh, oh putain, merde. Non. Ah bah bravo, voilà. Alors on rigole, on parle de n'importe quoi et on retombe en bas. Oh non, non, non. Comment je vais faire là pour remonter? Wow, c'était juste hein. C'était juste. Alors on grimpe. On est toujours dans cette séquence de plateforme. À la Tomb Raider, comme si on était sur un Tomb Raider mais... Vu à la première personne. Grappin. Il y a un grappin. Allons-y. Hop. Super, ok. Maintenant, on continue par là. Qu'est-ce que c'est qui fait ce bruit là? Ah, il y a des pélicans. Ah, on peut nourrir les pélicans. Alors, vous voyez quand même, Ubi, ils ont bien pensé à faire un monde... Oh putain, non, non! Ah caramba! Non, non, mais on va tous retaper là, bravo, bravo, vous voyez? Et ben là, voilà. Dani, elle a mangé trop de raclette, et voilà. Elle n'est pas du tout assez agile pour faire un petit saut. Elle a trop de patates. Hein. C'est pas des petites patates en plus qu'elle a, elle, c'est vraiment des... Bonne grosse patate qui s'est éclatée au sol en fait. Donc je sais pas où la sauvegarde va nous ramener, mais sans doute en bas. Oh, peut-être pas, quand même pas. Quand même pas. Ah non, ça va. Ça va, ça va, on est... Ça va, c'est pas... Ok, ça passe. Oh putain, mais franchement... Ah oui, il est là, le... Alors, on court, on continue, on court, et on saute. Et on tombe.
Oh la vache. C'était vraiment moins une. Grimpe, grimpe. C'est bon. Hop. Et là, le grappin, si on pouvait l'utiliser, ce serait bien. Ah, il nous ramène quand même. Allez, hop, on se balance. On se balance. Alors, ouais, de l'attaque. Parfait. On grimpe ici sur les plantes grimpantes. Qu'est-ce que c'était que ça? Qui c'est qui va? Un aigle? Bizarre. Bizarre, je... Bon, on revient à peu près à l'endroit où on est tombé tout à l'heure. Donc là, on se concentre. Pas question de parler de petites patates ou de raclette. Ça veut dire que là... Oh là, ça va craquer là. Ah, il y a un... C'est quoi? Non, c'est un pélican ça. Hop là, voilà. Là on a encore les pélicans. Est-ce qu'on peut les nourrir? Non. Donc justement, tout à l'heure je disais que Ubi a bien bossé pour rendre le monde encore plus... Oh putain la vache, je me suis pris le micro dans la gueule parce que j'ai sauté en même temps que... Voilà. Mais c'est des bons de malade. Elle fait... Là à chaque fois... Dani, elle est en train de battre le record du monde de saut en longueur. Hein, parce que c'est quand même très loin le truc. Bon, ça va. On y arrive. Et il se trouve où là? Et là au bout, je vous rappelle qu'on va trouver El Tigre. Le Tigre qui est... Ah, il est là. Je le vois en bas, regardez. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la rencontre avec El Tigre, un personnage probablement important du jeu. Ah bah non, il est pas là. Ah non, c'était un bananier, en fait, que je pensais voir. Ah non, c'est pas fini. Non, c'était une chèvre morte. Bon bah on... Really disappear up here would make an army blind. On continue hein. Encore une chèvre. How is the air both thick and thin at the same time? Alors la chèvre, il faudra qu'elle se barre parce que moi j'ai pas envie de... Hey, ouh. Casse-toi là le... Bon à mon avis c'est scripté dans le fait que... Hey, non. Torizo, par contre tu viens par là parce que toi tu vas te prendre les... Les trucs sur la gueule. Ah non, c'est bon. C'est bon, la chèvre, elle s'est poussée avant. Et non, quand il a besoin de faire les courses... qu'il ait oublié le sel hein, le El Tigre, parce que c'est quand même assez isolé sa planque hein. On a une belle vue, regardez, on a une belle vue sur Yara, une petite partie de Yara, donc je pense qu'on vient de là-bas, vous voyez au fond là-bas au milieu à peu près de l'écran, vous avez le phare et la forteresse qu'on a vaincu il y a quelques minutes. Okay, I'm at the next picture. Let me guess. Guerrillas are like sharks? Deadly predators with knives as sharp as teeth? Actually, that rock just looked like a shark. Who's the one dangling underneath it? That's Lucky Mama.
We never knew when the soldado would find our camp. So we had to secure fast ways up and even faster ways down. Lucky always volunteered to be the first to test the lines. Brave. I hear you're brave too. Clara told me about you. You know, I also grew up without a mama or papa. And you still became a legend. Many guerrillas are orphans, baby Tigre. But it's not our parents who define us. It's our actions. It's like... Oh là là, oh putain. Là, c'était un sacré son. Hein. Si on arrive... Ah bah si, ça va. Ça va, vous voyez comme quoi je suis un peu trop... un peu trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, on y arrive. Alors, on continue dans la... C'est quand même un open world qui est vraiment généreux. Hein. Dans, là, on s'y croirait presque. Il y a beaucoup de... Il est vivant. La faune et la flore sont vraiment là. Et c'est très très plaisant d'y progresser quoi et de le découvrir. El Tigre, I'm at the statue. That explains the hangover. Every year I drink two bottles of rum. One for me, and one for Lobo. I never lived to see a free Yara. To be honest, neither did I. This is the last pick. Guillermo Lobo Hernandez, il est né en 1949 et il est mort en 1967, donc il est mort très jeune quand même. Toujours le premier à se rebeller contre les injustices, Lobo n'a pas vu l'issue de la révolution. Il est mort avant l'assaut final sur Esperanza. Ce monument a été érigé en son honneur par les légendes de 1967. Tu peux reposer en paix, camarade. Nous avons triomphé. Felicidades! You're at the top of the world! Felicidades! You're missing all the fun, baby tigre! Baby tigre! Alors, ok. Bon donc, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse là? Il est encore à 105 mètres de El Tigre. On récupère des petits trucs, allez, alors on va un petit peu, hop. Ah, on a quoi là? Allez. Ah, on a la signification des marquages de randonnée, en fait, puisque c'est un parc naturel, n'est-ce pas? Non, pas du tout, mais c'est... peut-être que vous avez déjà vu ça en chemin. Vous voyez ici des signes qui représentent plusieurs choses. Donc on a carrera, ça veut dire quoi? Course, non c'est ça. Zone de cola. Alors zone de chasse de bêtes. Cola, je sais pas ce que ça veut dire. Direction, dans le direction c'est effectivement la direction. Oui, j'ai fait langue espagnole en langue plus 5. Alors. Dilección. Voilà, dilección. Ah oui, j'ai oublié de mettre la langue entre les dents. Dilección. Non, c'est pas par là. Hein. C'est pas par là. Eh, vous savez qu'on n'a pas caressé Chorizo depuis au moins 2 minutes. Chorizo. Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, mais regardez. Alors. Récupérer, ok. Allez, un petit tour de tyrolienne, hop. Ah, nous voilà dans le... Et voilà, on est dans un nouveau camp, les amis. Après le camp de la famille Montana, je crois. Eh bien, on est dans le camp de El Tigre, donc. Et comme dans tous les camps du jeu, on retrouve Dani à la troisième personne. C'est plaisir de la revoir, hein, Dani. Voilà. Alors. On a plein de trucs à faire. Donc ça, c'est quoi, ça? Message minutieusement rédigé. Oula, attention. El Tigre, je m'appelle Renato Alvarez.
Je vous écris pour demander de l'aide à une légende. Chicharron est insatiable. Il se bat avec la détermination de 10 hommes et seul le rang des soldats parvient à le calmer. Je crains que la rage qui alimente sa haine finisse par plonger tous ceux qui l'entourent dans des flammes éternelles de la vengeance. Mon dernier espoir est que vous parveniez à parler à Chicharron. Je ne sais pas comment ça se prononce. Chicharron. Rencontrez-le sur le champ de bataille, sur le camp de bataille, d'égal à l'égal, et montrez-lui qu'il peut éviter une vie de violence. Oh, je mélange tout là. Je vous en supplie, rendez-vous dans ma ferme au sud-est et sauvez mon meilleur ami d'une déchéance sanguinaire. R comme Rodriguez, non? Ah ben non, comme Ronaldo. Ok, donc bon, on verra. On verra, on a trouvé une ferme, donc qu'on ira peut-être voir. Qui sait? Le tigré. Où est le tigré? Ah, le voilà. Aïe. Attention, confrontation. Enfin, c'est un ami, mais... El tigre! Voilà, Danny! Ah, il a l'air bien amical et bien... Oula! You're trapped. Death is staring you in the face. What do you do? Ouh. I've been kicked in the cojones 1,000 times. I haven't felt empty 72. Ouh, coup de boule. Never do that again. What? Mi casa su casa, baby tigre. Come on, me the family. Lucky. Ah, je l'aime bien. Il est marrant. Il est marrant. Il a... I'm not your fucking mother. Ouh, Lucky Mama. Lucky Mama. Oh, there deux personnages qui ont l'air... Who are actually hurt. I am suffering. I easy mama. Ah, you see, mama! Lorenzo Canseco, poet of the legends. Well, I sense the hot blood of a fighter. Lorenzo Canseco. And of course, you know Lucky Mama, heart of the legends. It's not broken. Really? I felt it go crazy. Merda! Oh. Another patient? Elle fait pas dans la dentelle, là, Lucky like Mama. La morale to me. I'm Danny Rojas from Libertà. The new fist of the revolution. No, Clara sent me. Libertà needs the legends on our side, heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte. Sorry. One revolution was enough. Looks like Clara was wrong. Have faith, Danny. They just need to get to know you. Come see me when you get settled. My baby tigre. Ma baby tigre. Bon, et donc il va falloir un petit peu... de faire apprécier par le camp pour que cette famille bascule avec nous. Pas bascule. S'allie avec nous. Donc on va pas. Clara, I've met the legends. El Tigre is the only one on board with Libertà. Do whatever you have to and get them to join this fight. The people need heroes to believe in. I just hope they still want to be heroes. Ok. Une mission. Oh là, alors El Tigre. El Tigre, il perd pas de temps. Hein. Ok. If we want these cranky old guerrillas to help Libertad, we need Lucky and Lorenzo on board. So here's what we're going to do. Ever since Anton got obsessed with the cancer drugs and making Viviro, finding medical supplies for Lucky's clinic has been impossible. So I bribed a pilot to fly some in. When the supplies arrive, we tell Lucky they're a gift from Libertad, and boom, everybody's friends. Perfect plan, right? Well, it would have been if some hijo de puta didn't shoot down my chopper. Hijo de puta. Go get those supplies before someone else does, baby tigre. Non, mais dis donc. El Tigre, c'est quoi ce langage? Donc, bah, le El Tigre, il nous propose un traitement spécial. C'est le nom de l'opération de niveau 6. On est niveau 6, ça tombe bien. Il nous propose d'aller récupérer des fournitures médicales qui ont transporté un hélicoptère qui a été abattu. Et ça nous fera gagner 150 points d'XP. Remember the three guerrilla principles. Always be moving. Always be on guard. Always kill your enemy before they kill you.
Cette opération se situe à 700 mètres. Oui. Alors attendez, on va prendre. On va faire un petit tour sur la carte. C'est la carte. Donc, ouais. Donc, non, mais ça, c'est. Ouais, tu vois, comment traumatiser un enfant mettez-le devant Dora l'exploratrice. Voilà. Alors. Ici, c'est ici la carte. C'est ici le. On est là. On va là. Le point A, le point B. Comment faire pour... est-ce qu'on peut ici... Ah, il y a une écurie, il est là. On va se retaper tout ce chemin là. Oh, non. Ah bah si, après on a un voyage rapide de toute façon là. Ok, donc c'est bon. Oh, on a un hélicoptère ici. Vous savez quoi? Attendez, on va reculer un peu pour voir si... C'est bon, la zone aérienne est sécure puisque le premier canon anti-aérien, il se trouve à côté. Donc ça va, on va... Mais tu sais, lui, il faudra qu'on lui fasse son compte, hein, lui, un jour, parce que... donc, on est parti pour l'hélico. L'hélico se trouve où? Par là, je crois. Ce qui nous permet de circuler un peu dans le camp et de voir un peu comment c'est aménagé. Hein. C'est plutôt... plutôt joliment aménagé, je dois dire. Donc, ah, voilà, ici, on a un avion. Non, les avions, c'est trop compliqué. Donc là, on va prendre notre hélico. Comme d'habitude, hein, on va s'écraser, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Doup, là, on s'envole. Et je m'envole. Je m'envole. Vol. Qu'est-ce qu'il y a comme chanson avec vol? Envole-moi. Ah, voilà, non, on va arrêter là parce que... Ah bah il s'est écrasé l'avion, c'est pour ça qu'il y a de la fumée au fond là. On y va, on descend tranquillement. On va se poser. Sauf que je pense qu'on va rentrer... Ouh. Bon, on s'en va. Ok, hop. Ah, très très bien, regardez. Pendant ce temps, on peut vérifier s'il y a du monde. Mais il n'y a personne. Ah si, il y a du monde. Ah si, il y a du monde. Eh oh. Il n'avait pas fini d'exploser apparemment l'hélico. On va reprendre. Ça m'étonne qu'il n'y ait personne quand même là, c'est louche. C'est louche, j'aime pas tellement. Là-dessus, il n'y a même pas un sniper, il n'y a pas un... Oh, vous voyez, il y a des mitrailleuses là. Obtenez les fournitures, elles doivent être proches de l'hélico abattu. Ouais, ça sent l'embuscade. Ça sent l'embuscade à plein nez, les amis, là. This looks like they drop. What a mess. Quel merdier, bah oui, ça, quel merdier. Chorizo, il joue avec une... Regardez-le. Ouais, bon, alors on continue là. Oula, que se passe-t-il? This is too easy. Que voilà! Who are you? We're la moral, and the leste is our land. Our land, our medicine. You practice that little speech? Yeah. This is property of libertad. Ah, libertad! Knew you would come begging for our help. We should be fighting Castillo together. I'm Honron, second in command. Honron, le nom imprononçable. Oh, attention. Nice throw. Name's Danny. Danny Rojas. Uh-huh.
Company. Aïe, un peu de fight, ça manquait là. Ça manquait donc. On va prendre quoi pour les tuer? D'où ils viennent? Hop, voilà. D'où ils tirent? Ah non, mais ils sont partout là. Ah non. Oh là, soignez. Est-ce qu'on va mourir là? Oh putain, faut que je recharge, c'est pas le moment. Ah. Ils viennent de l'est maintenant. Oh putain, il y a une bombe. Trop tard. Recharger. Non, ça c'est un allié. Ouais, j'ai tiré dans le dos, c'est pas très joli, mais. Il est temps de finir. Où sont-ils? Oh! Derrière. Par derrière. Non mais c'est quoi ça? Par derrière maintenant. Oh, ça a planté. Ça a planté les amis. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur à un moment, j'ai eu peur. Oh non, merde, pas toi. Réanimé. Ça fait un beau prisme, mais j'ai eu peur que là on soit parti dans un. Évidemment, ils viennent de tous les points cardinaux, quoi. On va s'éloigner d'ici. On va recharger, puis on va faire ça. Regardez, hop. Et voilà. C'est sécurisé maintenant, non? Non, il... Par l'est encore? Non mais... Faut charger, hop. Est-ce qu'il en reste? Mais regardez-moi ce carnage. Ils viennent... Ah, ils sont là maintenant. Ils viennent de tous les côtés, là. Tous les côtés. Ah non, je sais plus où donner de la tête. Ah non, mais il y a un hélicoptère maintenant. Ah non. Ah, bravo. Ouh, là ça a planté là. Ça plante trop, ça frise. Ça a frisé, non c'est bon. Ouh là, je sens que la console elle souffre. Quoi.
Ils viennent de quel côté maintenant? Elle a dit de quel côté? De... Tiens, voilà. Dans le dos aussi, c'est pas très glorieux, mais... Mais la guerre, c'est moche. Alors... Ah, il y a l'hélico, là, qu'il faut absolument... détruire, mais là, il n'y a pas de 36 solutions. Faut attendre que le Supremo soit chargé. Oh, merde, non. Supremo prêt, attention. Et voilà. Ah, j'arrive pas à croire qu'on ait survécu, ben moi non plus. Parce que c'était quand même... Elle a du talent, la Dania. Yelena's your boss? Yeah. She's gonna kick my ass if I don't come back with something. Well, Clara's gonna try to kick mine if I don't bring these to the legends. Libertad wants the legends of 67? Half of Yara thinks they're dead. Oh, they're very alive. And half of La Morale thinks they're full of shit. But I majored in history. They paid in blood to put Anton's papa in his grave. I'll tell you what. You give me these supplies, I'll introduce you. Ce regard qui en dit long. But at least I got to meet the legends first. Now, Danny, you get us a chopper. Then we can talk supplies. Welcome to La Morale. Libertad. Whatever. 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 Be to give one swing. Pardon. Alors, c'était la petite séquence Chakira. Alors, ramener l'hélicoptère pour transporter les fournitures. Ok. Alors. Ah oui, donc il faut chercher un hélico. Ben, comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'hélico, il est... Faites voir la carte. On a ici un hélico. On a ici... Alors le problème, c'est ça, c'est que les fournitures, elles sont dans une zone. Il faut d'abord qu'on se débarrasse de ce truc-là. Donc on va faire ça. Hein. Ok. On va le marquer. On va le marquer sur la carte parce que comme on a 3 points... C'est lequel? C'est pas celui-là, c'est celui qui est ici. Ouais, c'est carrément l'autre côté de la... du monde. The other side of the world. Alors, ok. Eh ben, on va monter. On va faire de un petit peu de rando, là, mais. Allez, Dani. Le problème c'est que quand on traverse comme ça la jungle, on peut tomber sur des animaux sauvages. Et ouais, Ubi a pensé aussi à intégrer des choses pas très amicales. Alors là, on arrive où là? On arrive à... C'est quoi ça? C'est une ferme au milieu de la pampa. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus là? Eh, on a un truc à... Oui, bah regardez, on va prendre. Hop, on se faufile dans le... Récupérer des pièces, qui est plutôt bien pour améliorer son équipement plus tard. 600 mètres, allez. Wow! Attention, il y a un tigre qui débarque. Mais Chorizo. Oh putain. Ah non, c'est pas un tigre, c'est un guépard ça. C'est un jaguar. Trepinga. Trepinga, tu m'étonnes, ouais, mais. Oh, bah, d'accord. Il tombe, vous voyez. Là, ça permet de mesurer le moteur physique du jeu. Moi, c'est un peu au ralenti, hein, parce que normalement, ça tombe beaucoup plus vite dans la réalité. Bon, je sais, j'ai tué un guépard hier et il allait beaucoup plus vite quand même.
Donc, on y va. 600 mètres. Dans 600 mètres, continuez tout droit. Prenez la deuxième sortie. Ouais, donc elle est tout droit, ok. Donc alors, on y va, on continue. On continue, ça grimpe, c'est pas... Aïe, voilà, on va passer sous le... sous les palmiers. Ah oui, c'est vrai qu'avec moi, on visite le jeu, hein, on va pas non plus... Un petit saut, on passe à travers les bananiers sauvages. Oh, écoute, Danny, c'est bon, t'es tombé de 20 mètres. Pas la mort non plus. Oh là là, on peut plus, là, elle est en PLS, là, Danny. Attends. C'est bon, voilà, ok. Bon, on arrive, on est à 100, 150 mètres à peu près de notre objectif. Notre objectif, je vous le rappelle, c'est un canon anti-aérien. Il est là, on le voit ici. Donc ce qu'on va faire, ouais, parce qu'on ne pourra pas l'avoir comme ça. On va attendre tranquillement que le... Ah non, il est où le canon? Il est là le canon, voilà. Got to be careful here. They've got a medic. Ok. On va attendre que le Supremo, qui est notre arme de destruction massive, soit complètement chargée. Vous voyez, on voit encore son icône. Au niveau de chargement, en bas à droite de votre écran, il y a une sorte d'explosion rouge dans un losange. Il reste encore un petit peu, je dirais une minute ou deux, avant qu'il soit complètement chargé. Alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être utiliser ces... Voilà. Là on se cache. Ah bah y est, le Supremo il est déjà chargé à bloc. Donc on va pas prendre perte de temps. Et merde, il a pas du tout dégommé le canon alors que c'est ça qu'on voulait dégommer. Comment on peut... Ça on peut pas le... Qui dit ça? Oh shit! Voilà. Là je l'ai calmé un peu la dame parce que je pense qu'elle était un peu énervée. Je sais pas pourquoi. Ici, ok. Ah, on récupère de l'uranium appauvri, ça c'est pas mal, c'est un matériau de bricolage très intéressant. Ici, on a une carte avec qui va nous indiquer des caches. Par contre, c'est dommage parce que là... Non, je pense qu'on peut pas la battre comme ça en fait. Il faut vraiment utiliser des bombes ou... Qu'est-ce qu'on a? Et si on fait ça? Mais non, ça fait rien.
Tiens, prends une balle de baseball. Bon, ça va vachement le détruire, ça. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas un endroit... quand même con, ça, que... On soit obligé d'attendre que le... Alors lui... L'hélico, il est mort. Ce qui est dommage, parce que... Ça nous aurait bien servi, quand même, pour... On est à peu près à la moitié du chargement de... du supplément. Profitons-en pour nous recueillir. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? You got something I need. Ah oui. Ah, là, il y a des choses qui sont quand même pas terribles. C'est qu'on voit des... Vous savez quoi, j'ai envie de les... Même s'ils sont morts... On peut pas les libérer. Non. Parce que c'est quand même pas très... Non, ça marche pas. Là, on peut passer par là. Est-ce qu'on a des... Ah, on a des bombes, attendez. Cocktail Molotov. Est-ce que le cocktail Molotov... Non, ça va rien faire sur le canon. Ça va rien faire, il faut vraiment utiliser le supplément. Ah, il y a un truc qui a explosé, je ne sais pas ce que c'est. Qui nous tire dessus là? Pourquoi? Oh la vache! Et il va m'écraser! Oh non les... Oh les salauds! Non mais qu'est-ce que c'est? Voilà, hop. Ça c'est réglé, mais c'était pas très très cool ça. Ah, le supplémo il est bientôt chargé les amis, regardez. Attention. J'espère qu'il va... Quand il va être chargé, on va pouvoir exploser ce canon et enfin récupérer un hélico qui nous permettra de récupérer, transporter les fournitures qu'on a vues sur le site du crash juste il y a quelques minutes. Oui, qu'est-ce qui se passe, Turlizo? Je t'entends, Turlizo? Il veut sa petite caresse, allez, petite caresse à Turlizo. Oh, good boy, good boy. Good boy. Par contre, cette musique de propagande, si on pouvait la couper, là, qui... d'où ça vient? Ah, le supplémo est prêt, mais... Vous savez quoi? Le temps que le supplémo soit prêt, on aurait pu faire ça tout à l'heure, ça aurait été... Ouh. Matos, du matos un peu partout là et on visite, allez on visite, tac. Il y a un haut-parleur et j'aimerais bien m'en débarrasser du haut-parleur parce que... Ah c'est ça. On peut pas. Ah!
Oh. On a failli se faire. Ok. Donc là, on a tué tout le monde, c'est bon, il est mort. Allez, normalement c'est bon pour le... Voilà, l'espace aérien est dégagé. Qui nous voit là? Qui est en train de nous... Quel abruti! Oh, Charlizo, mais t'es plein de. Là, mais qui me. Putain, mais c'est pas possible! Attendez, on se casse, hein. Hop. Oh là, on est en train de mourir dans l'eau. Qui nous tire dessus avec un. Là, Dani, on sent qu'elle est au bout du rouleau. Elle est au bout du rouleau. Et il nous tire dessus avec son lance-roquette, l'autre, là. Est-ce qu'on peut... Je pense pas qu'on puisse pendant un combat. On peut pas revenir. Si, déplacement rapide. Allez, hop. Ah, et ben, dis donc. Ce déplacement rapide est bienvenu. Il va nous permettre de souffler un peu. De récupérer donc et là on va récupérer l'hélico qui se trouve dans le camp de El Tigre. Et on va essayer de meubler cette musique de non-attente, enfin de cette non-musique d'attente, avec cette voix qui est votre serviteur depuis maintenant 2h32. Voilà, on est là. On est ici. Tenez, on va améliorer le camp. On va améliorer le camp parce que on peut le faire. On peut, alors, réseau des planques, fermer. Équiper les combattants avec de meilleures armes et entraîner-les. Ça, c'est pas mal. Boutique de pêche, non, on s'en fout. Caserne, permet d'héberger les combattants, vous permet d'inciter davantage de recrues à participer. Ok. La cantina, ne vous battez pas l'estomac vide. Pavillon de chasse. Non, mais les garnisons de guerriers, c'est bien ça. On dirait la musique de Mario Sunshine. Voilà, on a amélioré un peu le camp et maintenant on va récupérer les hélicos. Où est l'hélico? Il y avait un hélico bientôt, il y a pas si longtemps. Par là peut-être? Ah oui, là, on pourrait sauter en wingsuit, mais non, on va pas sauter en wingsuit parce que c'est pas. Oh yeah. Anyone ever tell you you snore in your sleep? Only my mother. Miss Hermana. Où il était cet hélico là? Par là non. Peut-être par là. Ouais, je verrais bien ça par là. Ouais, c'est ça. Hop. Direct dans l'hélico. Et cette fois-ci, on est obligé de se poser plutôt que de s'écraser comme un gros caca. Alors...
On est parti. Donc alors, nous, notre... C'était où déjà? Regardons sur la carte. Sur la carte, on a les... Va récupérer les fournitures, ils sont là. Ok, d'accord. Donc, c'est parti. Il me semblait qu'ils étaient plus proches, mais bon. Non, non, c'est ça. On descend tranquillement de la montagne. Oh non, non, un hélico, mais non, mais non. Just make sure you're not underneath when I shoot it down. Est-ce qu'il nous a vu? Non, il nous a pas vu. Ok. Ça, il nous envoie. Comment on fait? On se pose là, d'accord, ok. On va se poser, mais... I see you, Honron. Repinga. Every soldado in Yara can see you. Ok, comment... Alors, comment on se pose sur ce truc, là? Comme ça? Oh là, mais je vais tous vous... Ah non, c'est bon. J'allais tous les déchiqueter avec les pales. Donc on récupère le chargement de Médoc pour l'emmener au camp. Et on se tape un petit chargement. Il y a quand même quelques petits chargements. Alors je vous rappelle qu'on est sur Xbox One, première génération. Donc c'est pas non plus le. Hein, c'est pas une console toute jeune. Le premier qui dit comme celui qui joue est ban. Alors. Danny, you got the supply. Palapinga, el tigre, feast of the revolution. You gotta sign my pants. ¿Cómo se llama, señorita? Honron. Eh. I'm with Honron. La Moral. La Moral. Terroristas. Honron, this is Lorraine. I know who he is. I think the word he's looking for is guerrilla. You're not guerrillas. You're a street gang. At least we're not hiding on the mountain while the world goes to shit. Have you seen what's going on down there? Go, check out a Biovida facility. I dare you. The legends don't take orders from anarchists. Entiende? Enough, Lorenzo. No, you know what? Fuck you. La Moral is keeping these supplies. This is our revolution, not yours. A farmer got caught in the crossfire today. Took a bullet in the stomach. Without this, he won't make it to tomorrow. Lucky mama. A lot of the bullets I pull are from La Moral. There is a difference between playing with guns and fighting la revolution. El tigre. Si. They're big on lectures. If these abuelos want to live in their museum, whatever. A quien le importa. But maybe I'll borrow some souvenirs. Talk to me when you got a minute. Et voilà. Voilà, on a... That sucks. On a terminé l'objectif, traitement spécial, on a fait notre première mission dans le camp de El Tigre. Alors, qu'est-ce qu'on fait les amis? Est-ce qu'on... Il est l'heure de bientôt arrêter le stream, mais on va quand même parler à El Tigre, hein, pour savoir ce qu'il veut nous dire. Those medical supplies will put a lot of guerrillas back together. Gracias. Lucky appreciates them too. Even if she doesn't show it. There, do what you gotta do. On va pas aller parler à Intrigue. On va parler plutôt à Lachon. Je sais pas comment c'est elle, c'est ça? Si, c'est là. Qui va nous proposer un truc, certainement. To think I looked up to these ancianos. Don't waste your time. We're freeing El Este with or without them. You need to talk to my boss, Yelena. And you need to see our operation up close. Swing by El Agujero. It's La Moral's badass headquarters in Concepción. Say this password to our doorman.
Muerto el perro, se acabó la rabia. Mm-hmm, on a OK, on a ça aussi. I'm not contacting Yelena until you say you're going. On a deux missions. Donc il va falloir choisir demain. Probablement demain, on fera un stream demain aussi, les amis. Demain, on va choisir dans les deux missions. Alors, sachant que si on regarde la carte, on a quoi? On a Nouvelle Révolution et puis. Mais c'est des missions de niveau 7. Hein. On est niveau. On est. On va se calmer parce qu'on est niveau combien? On est niveau 6 seulement. Mais bon, ça se passe. Hein. Ça passe. Ça ne va pas te plaire non plus. Ok. Bon, très bien. Donc on va choisir demain. On verra demain ce qu'on choisit, les amis. Donc on retourne, hop, ici. On va se poser là où il y a de la peu de musique. On va donner 10 pesos aux musiciens qui sont très sympas. Et c'est sur cette petite musique-là, bien sympathique, qu'on va se quitter ce soir. Et bien écoutez, merci beaucoup. Alors il y a eu un petit peu de passage finalement ce soir. On a bien sûr eu le talo qui est venu, le Hawkfire, le Cantinou qui sont passés. Donc et le Boston, bien sûr le Boston qui est en train de bouffer une raclette. Donc merci à vous. Mes amis, on se retrouve donc probablement demain pour ça. Attendez, je vais passer sur le... Voilà, sur l'écran de fin. On se retrouve donc demain pour être certain de l'horaire. Il suffit simplement de consulter les réseaux sociaux qui sont indiqués sur cet écran. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne nuit, je vous fais des bisous, merci à vous et à très très bientôt pour la suite de cette aventure sur Far Cry 6 avec Danny.